Manger 400 grammes de fruits et légumes tous les jours, pourquoi pas? Mais ça coûte cher, non? C'est pas cher de cuisiner des fruits et légumes frais, on va le prouver aujourd'hui en faisant un menu entrée plat dessert. En entrée, je propose un rouleau d'automne, betterave, pommes et mesclun. En plat, un blanc de volaille sauté aux carottes et aux fans. Et en dessert, un fromage blanc fermé avec des pêches caramélisées. Dans ce menu, on va intégrer 400 grammes de fruits et légumes frais qui correspondent à la quantité minimum à manger par jour. En entrée, on a un rouleau d'automne, betterave et pommes et mesclun. Il nous faut du mesclun de salade, un peu de basilic, une pomme granny, la betterave chaude cuite et deux feuilles de riz. On prend le mesclun dans notre récipient, pomme granny taillée en dés. On le rajoute au mesclun, un peu d'huile d'olive, balsamique, sel et poivre. Ensuite, sur un torchon sec, on va disposer nos feuilles de riz qu'on aura trempées dans l'eau tiède. En attendant, on prépare notre betterave qu'on va tailler en gros bâtonnets. La feuille de riz est ramollie. On la pose sur un torchon propre. Dans la partie inférieure de la feuille de riz, on dispose le mesclun, quelques dés de pommes, betterave. On ferme et on roule en serrant. Le premier rouleau est prêt. L'entrée est prête, elle nous aura coûté 65 centimes par personne, dont 50 centimes de fruits et légumes frais. Donc pour le plat, on va faire un blanc de poulet sauté aux carottes. J'ai besoin d'un blanc de poulet, 3 carottes, un demi-oignon, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc on commence par le blanc de volaille. J'ai pensé à préchauffer mon four à 200 degrés et je vais donc faire sauter ma volaille à la poêle. Un petit peu d'huile dans la poêle. On fait colorer le blanc de poulet sur chaque face et on l'enfourne à 200 degrés au four. Et pendant ce temps-là, on émince un demi-oignon. On émince nos carottes. Dans la poêle du poulet, on va rajouter nos oignons. On y met nos carottes. Et on va venir rajouter un petit peu d'eau pour cuire nos légumes. Je vais donc terminer notre plat est prêt, il nous aura coûté 2,54€ par personne, dont 20 centimes de légumes. En dessert, on va faire une pêche rôtie romarin et fromage blanc fermier. Donc très simple, deux pêches blanches, romarin, un peu de beurre, un peu de sucre et fromage blanc fermier. Romarin un peu concassé. On dépose le beurre dans la poêle, on fait fondre, un petit peu de sucre. Ensuite, on ajoute nos pêches, le romarin. En attendant, on dépose au fond d'une verrine la valeur de le cuire sous le fromage blanc. Et pour terminer, on va disposer nos pêches caramélisées sur le fromage blanc. Notre dessert est terminé, il nous aura coûté 1 euro par personne, dont 50 centimes de fruits. Ce menu aura coûté 4,19 euros par personne, dont 1,20 euros de fruits et légumes. La preuve que l'on peut se régaler et respecter les recommandations journalières de 400 grammes de fruits et légumes pour un prix très raisonnable. Envie d'en savoir plus sur les fruits et légumes ? Rendez-vous sur Graines de Savoir.